tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien, malgré que je sois malade. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de liquide, on va parler de boxe et on va parler revue. Donc, revue, c'est un peu logique, on va parler de tout ça, mais on va également parler de matos et de liquide. Je me répète, les liquides, tout droit du Canada, je vous mets tout ce qu'il faut pour les suivre sur internet, etc. Et on va en parler juste après, je les avais vus à la Pexpo, c'était eux qui m'avaient démarché un peu avant. Et j'ai pas mal de petites choses à dire sur leur société. On va parler directement matos, parce que c'est grosso modo avec la machine là que je vais présenter tous les liquides que là je possède. C'est la Spider, celle que je vous avais présentée. Je vous avais vaguement présenté. De chez Vaptio, j'en avais reçu deux, souvenez-vous. Donc là j'ai la deuxième en rouge, l'autre est en bas. Et on va parler un tout petit peu de tout ça. Bon allez, rassure-toi directement, ça va pas être très chiant et je vais essayer de mettre des nouvelles transitions un peu plus fluides, un peu plus esthétiques. Donc on va essayer de faire au plus rapide. La Vaptio, je suis vachement étonné de cette fameuse petite picot, comme je vous l'avais dit. Bon, les atomiseurs, il faut pas chier des bulles pour dire que ça marche pas. C'est très réactif certes, mais en fait on a un chipset à l'intérieur qui est super réactif. Et ça je vous mens pas. Vous venez de voir la preuve que le chipset en lui-même est super réactif. J'ai vachement été étonné, même en mode soft. Parce que oui, il y a le mode soft, normal et hard. Alors le mode hard, c'est le plus monstrueux, sincèrement. J'ai réussi à griller les résistances en même pas 3 jours, avec des liquides 50-50 qui tiennent habituellement très longtemps sur des JSR. 0,75. Ça va encore, tu vois. Il faut savoir qu'on est sur un diamètre de 25, donc je peux claquer n'importe quel dripper. C'est ça qui est cool. Par exemple, là, j'ai mis le Goon. Voilà, et je suis à 52 watts en version soft. En passant, merci mon petit Sylvain. C'est l'école que vous avez vue au début, je suis allé chercher directement à la Vape Expo. Donc merci à Sylvain, c'est grâce à lui que les coils sont là. Cette box là, elle est super bien et elle est putain de réactif. Mais vraiment, it's not a joke man. J'y pense, j'ai été recontacté par cette petite société. Bah. Voilà, vous devez la connaître, donc c'est à peu près ceux qui ont fait le Red Aster, à peu près. Bon, on en reparlera dans une autre revue. J'ai testé leur liquide et on va parler dans une autre revue prochainement de ces liquides-là. Et j'ai réussi à recoller le poster. Pour la société, vous me comprendrez et je expliquerai en vidéo pourquoi j'ai réussi à recoller le poster. Comme je vous l'ai dit, ça vient directement du Québec, alors pourquoi ne pas partir au Québec? Au moins quelques instants. Tu as vu cette belle transition quand même, hein? Je sais. Symbiosis, vous avez été très gentil de me contacter par Instagram et je vous en remercie. Au début, je me suis dit, bon d'accord, c'est quelques liquides, et après que je les ai vus à la Vape Expo, j'étais totalement conquis. Alors, Symbiosis, welcome to the Québec, welcome to the France. Ils ont deux gammes totalement différentes. Moi, c'est la Refresh que j'ai pris, parce que c'est celle que j'ai bien aimée. L'autre, je ne dis pas que j'ai pas aimé l'autre version, mais un peu moins. La Refresh, j'étais resté un poco... plus dessus, tu vois. La gamme Refresh, elle se compose de 4 liquides fruités en 70-30. Et attends, Johnny, tu es en train de te dire « Oui, mais c'est bien beau, mais destructeur de coil. » Et moi, je te réponds « Nope. » Eh ouais, pas de destruction de coil. J'étais vachement étonné pour ça. Je l'ai mis sur un Melo 3, je l'ai mis sur un GSR, je l'ai mis un peu partout et ne détruit pas les coils en 70-30. Merci, les Canadiens, tout simplement. On tombe sur des liquides pas si sucrés que ça, mais qui laissent quand même un petit arrière-goût en note de bouche. J'adore. On est sur un packaging assez spécial. De toute façon, si j'ai bien fait le montage, vous avez dû voir les plans de packaging. Comment est-ce que c'est présenté juste auparavant. Mais on va revoir tout ça juste en haut. Alors, bim balaboum, on aura juste ici, focus, merci. Juste ici, Refresh, le nom de la gamme, le nom du produit, le Chill, avec un petit logo. Le composition 70-30, leur nom de marque, et juste ici, les trois composants, parce que chaque liquide est composé de trois arômes.
pour le flacon que vous allez vapoter. Quand je parlais avec eux, c'était une très grande aubaine de venir se présenter en France. Ils aimeraient bien développer ces liquides-là en France, et pour eux, c'était vraiment important, cette Vape Expo de Paris. Il y a aussi Thomann, Breaking Vape, qui a fait une revue là-dessus. Et voilà, sinon j'en ai pas vu énormément des revues sur ces liquides-là. On va parler de l'exotique. C'est de la papaye, de la pêche et une potato note d'abricot. Alors ça, j'adore. Celui-là, je l'adore. Je l'aurais dit. Je fais, écoute, moi j'aime bien celui-là, tu m'en mets un. Tout simplement. Comme un pour les autres, et puis au total, j'ai la gamme, quoi. Et j'avais très bien aimé. Alors, on est sur un flacon 50 ml, TPD ready, par contre en zéro, il respecte ça. Dommage. Et on aura une petite nicotine sur le côté. Pour faire du 3. Donc au final, si vous faites le calcul, vous avez 40 ml de produit et 10 ml pour mettre tout simplement un booster afin de faire du 3. C'est vrai que le côté abricot pêche, on pourrait directement penser à un liquide typé malaisien. Mais alors là, pas du tout. Ça sera vraiment très léger, infiniment sucré. C'est ce qui frappe vachement ce côté un peu comme du sirop, tout simplement. Mais beaucoup, beaucoup moins de sucre. Ne vous attendez sincèrement pas à du gros malaisien pour ces liquides-là. On refait une nouvelle transition. Alors, un liquide que j'ai un peu moins apprécié, de toute façon, je l'avais déjà dit à la Vape Expo, c'est le Océan. On est sur de l'ananas, de la noix de coco, et sur un autre produit. Je ne sais plus, donc du coup, je vais regarder. De la mangue, voilà. Ouais, on est bien sur de la mangue. J'avais pas accroché, parce que déjà que la noix de coco, en soi plutôt, je suis pas un gros fan, là j'ai vraiment pas trop apprécié ce liquide-là. C'est pas que je le déteste, c'est juste que par rapport à la noix de coco, j'accroche pas. Voilà. Là maintenant on va parler du Breeze. Le Breeze c'est celui-ci et c'est mon plus gros coup de cœur de cette gamme-là, tout simplement. Le Breeze c'est mon plus gros coup de cœur de cette gamme-là. On est sur un liquide cactus, myrtille, avec tout un aspect de limonade. Et alors celui-là c'est vraiment mon gros coup de cœur. Je l'avais testé sur leur kit. Mouah. Et pour la peine, je vais le dripper. Si vous avez la chance d'aller à Montréal, ou même au Québec, ou un truc comme ça, n'hésitez pas à les voir. Parce que même si j'ai passé, quoi, 3-4 heures avec eux, je peux vous dire que c'est quand même une super bonne équipe. Ils sont comme ça, pouce bleu. Mais n'hésite pas du coup à lâcher un pouce bleu, toi. Pour ceux qui connaissent l'arôme cactus du jus de Nicole, on a ce ressenti pas anisé, mais un tout petit peu acide. Et ça, j'adore. Donc, on tombe principalement sur un aspect limonade avec du cactus. C'est vraiment délicieux. Focus ! Merci, Focus. Tant que vous êtes présents, et pour les personnes qui vont jusqu'à cette minute-là de vidéo, vous saurez que la prochaine fois, il y aura un concours en pleine vidéo. Comme ça, ça sera pas une autre vidéo... genre un peu putaclic ou tout ce que vous voulez. J'organiserai un concours pour gagner deux Athéna Kids Conk, Dripper et Box comprises. Partenariat, tout simplement, je vous le cache pas, c'est fait avec Even Gift pour promouvoir l'application Vafle. On en reparlera plus tard dans une autre vidéo de cette application-là, qui est un peu une application style Instagram, mais uniquement réservée à la cigarette électronique. On en parlera plus tard. Grâce à eux, j'ai la permission d'organiser un concours, donc de vous faire gagner deux Athéna Kids Conk. Une pour moi faire une revue et une autre pour vous la faire gagner tout simplement. Maintenant on va parler du chill. Le chill tout simplement c'est de la fraise, de la grenade, du fruit du dragon et du raisin tout simplement. Alors c'est assez difficile de parler de ce liquide là parce que le fruit du dragon j'ai jamais eu l'occasion de vraiment en manger, mais c'est vrai qu'on en retrouve dans plus en plus de liquides à l'heure actuelle, mais aussi dans les dailles. Beaucoup de sociétés qui commencent à en foutre un peu partout du fruit du dragon, donc c'est assez compliqué de trouver la vraie saveur du fruit du dragon. Au niveau du raisin, on est sur un peu un raisin bleu, un raisin violet, ça dépend comment vous le dites. Et par contre pour la fraise, on est sur une bonne fraise bien sucrée comme il faut, il n'y a rien à dire. C'est pas mon coup de cœur, mais ça me dérange pas de le vaper de temps en temps. Pourquoi Siri, tu t'actives en pleine vidéo? C'est une question intéressante. Tu peux me répondre au moins. Alors, c'est pas un fake, Siri vient vraiment de s'allumer. Ah tiens, tant que vous êtes là également, la petite Urus, je vous avais fait une présentation et j'avais mis un AQ 2700 chez Joy. Là, j'ai réussi à remodeler tout ça, donc l'AQ, je vous avais dit qu'on pouvait aller jusque du 21700. J'ai effectivement mis un 21700 toujours de chez Joy et l'autonomie de la box est beaucoup plus prolongée que le 2700. Donc, 21700 recommandé à 100% pour cette petite Urus.
Également, vous avez été 5-6 à m'envoyer des photos et avoir acheté cette Urousse. Alors merci du fond du cœur de regarder les vidéos et de après acheter le produit. Ça me fait énormément plaisir. Au niveau de ce chill, je le trouve un peu plus sucré et un peu plus acidulé que les autres de la gamme. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que ça doit être le fruit du dragon et le raisin qui font ça. La fraise, on la sentira vraiment à la fin de la vape. Voilà, j'espère que cette petite revue des liquides canadiens vous aura plu. Je remercie Symbio infiniment de m'avoir fait confiance sur ces liquides-là. Si vous voulez que je vous présente l'autre gamme, essayez de les motiver un fois en commentaire ou même sur Instagram pour qu'ils m'envoient l'autre gamme. Je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous, ciao. We'll be right back.